Bonjour, donc aujourd'hui dimanche 27 juin, un temps gris depuis hier, quelques gouttes, mais autour de 22 degrés. Bon, le ciel est en fleurs, d'après ce que j'ai compris, les conditions sont idylliques pour faire une mielée sur le tilleul, niveau température, humidité. Bon, on va vérifier un petit peu. Donc, a priori, ça a l'air quand même de travailler, enfin, du moins sur les roches en production. Voilà, ça s'est un peu calmé, passé 18 heures, mais bon. Ce matin, ça travaille déjà un petit peu. Vous pouvez voir un petit peu ici les colonies. Voilà. Et donc, on va vérifier un petit peu s'il y a une mielée. Alors, c'est assez simple. Pose ici. Alors, pour vérifier, je vais simplement fumer un tout petit peu. Voilà. J'ai pas cherché franchement à ouvrir toute la ruche, mais je vais me contenter de la hausse. Un tout petit coup de fumée. Voilà. Alors, là je suis sur la deuxième hausse. On va tirer un cadre. Alors, hop, voilà. On va l'examiner un petit peu. Bon, a priori, quand on regarde de plus près, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais là, ça a l'air d'être un petit peu rempli. On va secouer un petit peu. Et on peut voir des gouttes de nectar couler. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ici le nectar. Alors, regardez un petit peu à ce niveau-là. Vous voyez ici, les abeilles sont en train de justement de le consommer. Là, vous voyez, il y en a une. Donc bah c'est pas grand chose, mais il y a quand même une petite mielée. Alors là je suis sur un cadre qui se trouve dans la deuxième hausse. La deuxième hausse n'est pas forcément très attaquée actuellement. Alors, du moins sur cette ruche. Je pense que si je regarde un cadre de la première hausse, il y aura certainement plus de miel. Donc voilà, ça a l'air de travailler. Donc il faut être optimiste pour cette semaine. On va peut-être finir de remplir totalement la première hausse. Voilà. Alors là, je peux faire le test. Voir un petit peu s'il y a quelque chose. Ouais, s'il y a l'air d'avoir quelque chose dans les cadres de la première hausse. Pas forcément super rempli. Je pense que là, cette semaine, on va remplir la première hausse. La deuxième, on verra bien. Ce sera la surprise. Surprise bah, pour la saison. Donc voilà. Pas la peine d'aller plus loin. Vous avez vu comment on peut vérifier rapidement. Et ça permet de confirmer bah, ce qu'on peut voir avec une activité plus importante les jours précédents. Donc là, j'ai encore du tilleul pour une semaine, je pense. Après, il y a toujours les petites fleurs qui arrivent toujours en fin de saison. On a toujours quand même 15 jours de retard par rapport aux années précédentes. C'est normalement le tilleul, il arrête de fleurir autour du 22-23 juin ici. Voilà, allez, à bientôt!